Je sais pas. Non, il a même pas attendu Christiane, penses-tu? Christiane a été chercher de l'eau pour rien. Même moi, Mais j'y vois, on peut pas s'entraîner sur des postes qu'on a pas. Ouais, faut en faire. Hein. Oh, t'as vu, elle joue, il la saute la double. Ah, c'est vrai, il va sauter. Ah, t'as vu le bonheur. Et Cyril, quand tu veux, hein. Feignant. Ah, quand même, raccourci, il va être costaud, lui. Attends, Pas du tout, il est passé la dernière fois. Arrête toi, déjà, tu peux engueuler. Il y a 2 ans, ouais, je vais aller, mais l'autre, il lui mettait un. Tu dis qu'il faut qu'il pédale à fond, à 10 ans. Tu dis que je freine un maximum, à prendre peur. Ah, pédale quand même, un peignard. C'est Donc, avec vous, je suis Joachim Benjamin, Brujon, Aschaut, Pernel, pilotes qui nous viennent de Bretagne, et du Nord-Pas-de-Calais, de la région lyonnaise, de partout. C'est normal, c'est la finale du championnat de France, et en tête, oh là là, sirène de corne de brume pour le numéro 34, Aschaut Nicolas de Neuville. Ensuite, on retrouve un pilote aussi de Neuville, mais Neuville-sur-Saône, il s'agit de Bossuy. Ensuite, le numéro 45 et le 20. 27, le 45, c'est Joachim Benjamin de Saint-Vin.
Et le 27, c'est Strujon Grégory, celui qui semblerait pour le moment fermer la série numéro 2. Il semblerait que ce soit notre pilote qui nous vienne d'étape. Madame Bonjean, oula, ça arrive comme des obus là. Le 34, pas de problème. Pour le reste, je ne dirai rien. Tout ce que je peux vous dire, que c'est le 5e, c'est le numéro 24, c'est Pernel Cédric, il est d'étape. Série numéro 3, c'est Gardier David de Trémenen, un Breton, je pense. Et le 57, c'est Félix Sébastien de Cavignac, qui se dit, mais qu'est-ce que je suis mieux fou de courir dans cette série où pourquoi ils m'ont mis le vainqueur de Paris-Dinard dans ma série? J'aurais pu le mettre dans une autre série. Et là, je peux vous dire que là, il va y avoir une lutte fratricide, parce que 3 races de 12 ans, 3 gars de la Ligue Rhône-Alpes. Celui-ci, tout à l'heure, vous aviez Jérôme Frandon, champion France en titre. Après, vous avez Fabien Besquet, et maintenant, vous avez le troisième larron de la Ligue Rhône-Alpes, c'est Cyril Ajoux. Alors, il n'y aura qu'un champion de France, hein. Il n'exerce 13 ans. Nous avons dit révolutionnaire. Non, bon, toujours Allier Vincent, soyons sérieux. Ensuite, on retrouvera le numéro 50. Il y a un monsieur qui a perdu son bazar et qui veut récupérer sa fille. Non, c'est pas ça. C'est Géraldine Rimbaud, elle a le numéro 52 et il y a son père qui la cherche parce que, comme il m'a dit, j'ai perdu ma fille dans le bazar. Ou il a perdu son bazar avec sa fille. Mais enfin, bref, allez, soyons sérieux. Série 50, avec le 117 en tête. Le 117 est le numéro 4. C'est Roux Stéphane de Salon et de Bernard Gilles de hier. Je vous avais prévenu les pilotes de hier qui sont venus aujourd'hui. On va les faire travailler. Oui, elle était trop facile à faire, de faire que les pilotes d'hier qui étaient venus aujourd'hui allaient faire très fort. Je l'ai fait quand même, j'ai osé le faire. Donc 117 roues Stéphane et mon ami Guy Gaucher, la Ferté Gaucher, où il y avait eu la finale du championnat de France en 1986. Concernant les experts, 7 ans, le numéro 7, petit Nicolas Dunouillon. Ensuite on retrouvera le 57 et le numéro 30, le 57, c'est Matezin Michael, le numéro 30, eh bien c'est Dumoulin Samuel de Givors. La quatrième place est en prise par Panel Pierre de Saint-Leu. Ah, il n'y a plus rien à gagner maintenant. Il n'y a plus rien. Série numéro 2, expert 7 ans. Numéro 57, Matezin Michael de La Rochelle, il s'est mis à bailler. C'était dur la course comme ça, là, pour que tu t'endormes. Série numéro 2, expert 7 ans. Avec en tête, oulala, le numéro 34, c'est Archot Nicolas de Neuville. Il est suivi par un autre pilote de Neuville, mais c'est pas le même Neuville. Là, le deuxième pilote, il vient de Neuville-sur-Saône. Toujours en tête, donc, Archot. Archot, je sais pas comment on dit, enfin bref. Nicolas de Neuville, deuxième place, ce sera pour le numéro 27, Strujon Grégory, la troisième pour notre ami Bossu Bruno de Neuville. On passe directement avec la série numéro 3, Le Monde. Ensuite, on retrouvera avec le numéro 39, Garniel David de Trémenin. Et le 57 ou le 37, le 57, ce sera Félix, et le 37, Billy, un de Belvitre de Cadillac. Allez, Cyril. Oui, voilà, c'est ça. Série 35 experts, et là, comme je vous disais tout à l'heure, il va y avoir une lutte fratricide entre trois pilotes de la région Rhône-Alpes. On a vu Jérôme Frandon, on a vu Fabien Besquet, et maintenant on voit la trilogie, ouais, et bien c'est Cyril Ajoux de Neuville, qui est en tête avec son niveau voilà. De cette série numéro 1. Et là-bas, c'est carrément dans le premier virage. Les gens sont déchaînés, debout dans la tribune, ouais. Le 27, il est deuxième. Le 27, c'est Brunel Frédéric, qui est de Petite Couronne. C'est un Normand qui a pris la deuxième place à première. Ok, après la série 38, il y aura la série... Après la 37. Voilà, la 37 est en train de courir, et ils sont quatre pilotes. Alors quatre pilotes, eh bien... Je crois qu'il ne veut pas qu'ils fassent la même bêtise que lors d'une certaine course dans un club qui s'appelle Verdilly, où ils étaient que quatre. Et ils ont trouvé le moyen à un moment donné de se foutre tous les quatre en l'air. Bilan de l'opération, il n'y en a plus trois qui pouvaient courir parce qu'il y en a un quatrième qui avait laissé la clavicule par terre. Fallait le faire. Hein. Série 38, et derrière la série 38, reverra recourir la série 21. Donc là, le 9, le 2. On ne change pas grand chose. Le 9, c'est Gilles Dominique. Le 2, c'est Turotte Cyril de Compiègne. Ensuite, le 75, Gouillard. Le 26,
Et le 49, le 26, c'est Nicolas Thomas et le 49 de la R. Alors qui arrive maintenant Nicolas Thomas. Jean de Fontenay et ensuite le 108, Monsieur Le Cossois, Marc d'Épinal. Série 47 de 13 ans, toujours expert 16 ans avec Mick Laurent, Cuchet Frédéric, Kenneth Goudfried, Dominique Olivier et Offredon Olivier. Donc, grosse bagarre entre Zavinet qui devrait être en tête avec son numéro 13, et bien non, ce sera tout simplement Cuchet Frédéric en bagarre avec donc Zavinet qui arrive derrière. Je vous avais prévu que Zavinic devait arriver aux premières loges. En fin de compte, il se trouve en deuxième position. Pour le moment, c'est Cuchet qui est en tête. Cuchet Frédéric. Cuchet Frédéric qui nous vient de Neuville-sur-Saône, qui devrait être en tête. Non, on l'a, ça a tout changé. Tout a changé. Et en tête, eh bien, on verra apparaître le numéro 33, celui de Coudrier-David. Coudrier-David, je ne sais pas ce qui s'est passé entre Zavinic et Cuchet. Il semblerait qu'il y a un léger accrochage qui a été ni profitable à Olivier Zavinic, qui a dit à Frédéric Cuchet. Par contre, le numéro 33, Coudrier David de Vaulx, a gagné devant le numéro 20. Derrière, on retrouve le 25, Offred Olivier de Saint-Benoît. Ensuite, le 75, Calette Wilfried de Saint-Estève. Alors, si vous en avez 8, vous avez du pot. Moi, j'en ai 2, mais enfin, 8 en veut 8. C'est le numéro de Frédéric Cuchet qui a chuté. Il partait du numéro 28, notre ami Frédéric Cuchet. Et il a malheureusement chuté dans cette série. 47, expert 13 ans. Ouais, bravo. Voilà. J'entends pendant ce temps-là de... le starter après les pilotes, et c'est bien la première fois où j'entends un starter après les pilotes en disant « Mademoiselle, mademoiselle, mademoiselle ». Oui, bravo, je ne sais pas ce qui se passe dans le virage là-bas, mais je remercie les gens qui applaudissent, disons notre ami Frédéric Cuchet qui a chuté. Madame Osé d'Evreux est demandée sous la bulle de départ, Madame Osé d'Evreux. Donc série 48, dans cette série 48, eh bien, 6 pilotes en compétition. Alors, eh bien, celui qui a tiré l'épingle de son jeu, c'est Carandel William. Il est de Luzarche, dans la région parisienne. On retrouve ensuite le 159, qui est un pilote de Lyon, qui n'est autre que Revol Marc Olivier. Donc toujours en tête, Carandel William de Luzarche. Ensuite, on aurait retrouvé Revol Marc-Olivier qui a dû se faire faire l'intérieur. Alors, oui, il s'est carrément fait faire l'intérieur. Donc toujours le pilote de Luzarche, Guérandel William. Ensuite, on retrouvera le numéro 96. Le numéro 96, c'est Pissonnier Thomas. Alors, là, dans cette série, il y a une bagarre entre Rougemont Laurent, le numéro 1, et le Givor, naturellement équipé vice-champion du monde. Les champions du monde aussi bien en cruiseur qu'en 24 pouces et qui est en tête. Oh là là, il passe vraiment, voilà, dans les baskets. Et ensuite, on retrouve le 240, José Nicolas de Grenoble aussi, donc cette fameuse équipe de Grenoble dont je vous parlais tout à l'heure concernant les. Regardez un peu ça, c'est vraiment l'enfer. Donc Laurent va remporter sa deuxième manche assez facilement, pas de problème, il pourra passer à la troisième manche dans la foulée sans aucun problème. On va passer avec la série numéro 78. C'est la mère qui se fait les bébés. Lui, je vois ce qu'il faisait. Ah, il a roulé la roue. Il a cassé la fourche. C'est bien que Lionel. Allez Pascal, Eric. 88. Et là, sans me tromper, je peux vous annoncer que
Oui, de l'antenne. Dans cette série, Sébastien en 3e et 4e place. Là, pareil, on va retrouver le trio infernal des Rhône-Alpins, c'est-à-dire c'est le 3e des Rhône-Alpins, le 3e du trio infernal des Rhône-Alpins. Je vous parle de Sébastien, qui porte le numéro 15, et qui est de Neuville, et qui est en train de tomber littéralement le numéro 27, Brunet-Frédéric de Petite Couronne. Alors, un Rhône-Alpin contre un pilote Rhône-Alpin, je peux vous dire que Cyril, il ne va pas aller chercher. Si son copain va aller l'embêter, il n'ira pas le chercher. Voilà, il ne va pas aller le chercher. Il est assez intelligent, Cyril, pour le laisser, parce que je vois que le 27 veut absolument gagner. Bah, il va laisser gagner, hein. C'est pas un problème. Hein. On se dit gratin. Donc, victoire des 27, Brunet Frédéric de Petite Couronne. Derrière, on trouvera Cyril Ajoux avec un gros sourire, le numéro 12 et le numéro 36. Le 12 qui est tout heureux, comme s'il avait gagné au loto. C'est Saint Stéphane et le 36, c'est Malédo. Et le 20, c'est Annel Pierre, il est Saint-Leu. C'est le premier à avoir cette mise en place. Je vais arriver le 58. Le 58, eh bien, c'est Bossu Bruno de Neuville. Aussi le 18. Le 18, Simonien, quart de Verrière. Tous ces bons jeunes hommes, ils seront 7 dans ce premier quart de finale. Les 4 en place pour la demi. Et les 3 autres, eh bien, j'y étais. J'y étais. Il fallait y être, absolument. Voilà. C'est le directeur de course, monsieur les adjoints. If you are ready, you can. You can. Et aussi le numéro 1, Hervio Julien, qui fait partie du team Sunshipy et qui est de Saint-Ave. Ah oui, voilà, c'est ça. Je savais bien qu'il y avait quelqu'un qui avait bien. Bonjour madame, vous allez bien? Bonjour, hein. Vous avez été au bord de la mer, Jean? Voilà, on a retrouvé les clés. Dis donc, t'es un peu jeune pour avoir une voiture, hein, c'est les clés de ton père. Ouais. Ok, boys. Let's go. Voilà, tout le monde est en place, le staff est en place. C'est sérieux, tout est sérieux. Même les huitièmes, les quarts, enfin, c'est du sport. Hein. C'est du véritable sport. Et nous avons une chance unique aujourd'hui, parce que ça fait deux jours, je me dis, il va pleuvoir à quelle heure? Eh bien non, il ne pleut toujours pas. Hein. Ils ont tiré une toile entre le soleil et la piste pour éviter l'eau et surtout pour éviter les coups de soleil. Ah, il y a même des Savoyards là-bas, c'est pas des sudistes, hein, parce qu'ils ont mis une corne, une cloche même qu'on entend plutôt en Savoie que dans le sud. Ok? Feu. C'est parti, premier quart de finale, ce temps avec un super all-shot, et bien du numéro 1, Hervio Julien de Saint-Avé, qui fait partie du team Sunshipy, numéro 6. Alors toujours en tête, Hervio Julien du team Sunshipy, numéro 6, il est de Saint-Avé, et Saint-Avé c'est en Bretagne, il vient de se retourner pour savoir l'avance qu'il avait sur ce poursuivant, et le premier poursuivant, c'est Dupuis Rudy de Lannemezan, un breton, qui vient de faire une énorme faute. Ensuite, on retrouve Bruno Bossuy, et le numéro 18, eh bien, c'est Monsieur Simon Incarle de Verrière. Là, il n'y a pas de problème. Hervio Julien de Saint-Avé, une telle avance, il ne devrait pas y avoir de problème pour son premier quart de finale expert à 7 ans. Belle victoire, je peux déjà presque vous l'annoncer, de Hervio, en bagarre quand même avec Dupuis Rudy de Lannemezan. Ça sera Hervio, ça sera Rudy, peu importe, ils seront qualifiés. Le troisième, ce sera Dono Bossuy. Et le numéro 20, et bien c'est Annel Pierre de Saint-Bleu. Voilà, premier quart de finale terminé concernant les experts, 7 ans. 10. Il s'agit de Nicolas Thomas de Saint-Estève et le 112 Level Laurent de Plumeur en Bretagne. Deuxième quart de finale, 12 ans. Et c'est parti pour la série 192 avec Cyril Ajoux à l'intérieur et Frédéric Rodriguez de Saint-Estève. À l'intérieur, voilà, c'est Cyril Ajoux, va-t-il rejoindre son voisin de Couson-Bondor?
Cyril Ajoux qui vient de Neuville-sur-Saône. Il est de la Ligue Rhône-Alpes, ils sont tirés le boulot d'enfer pendant tout le championnat de région. Cyril Ajoux, un super pilote. Je rappelle que le Tristil est décommandé pour ces quarts de finale. En deuxième position, le 17, c'est toujours Rodriguez, Frédéric de Benessère, Cyril Ajoux, Rodriguez. Les troisième et quatrième places vont être chaudes entre le Dominique Gillet, le numéro 9, que j'ai vu très très bien placé également, voilà le 9, et le numéro 18, c'est-à-dire Marsazier Stéphane. Voilà, Cyril Ajoux, Marsazier Stéphane, Rodriguez, Frédéric, et j'en ai perdu un, c'est Gillet. Avec Vincent Perry, le champion de France en titre, et le champion de France junior, Cyril Turotte et Jérôme Frenon du team Sun City. Ils sont tous les deux, je crois, en tête. Premier, pour l'instant, Jérôme Frenon. Deuxième, le numéro 2. Non, c'est le 7. Poussant, le 27. Le 27, il s'agit de Brunel Frédéric de la Petite Couronne. Ensuite viennent le 2 et le 31, c'est-à-dire de Tracteur David et le numéro 2, Turotte Cyril de Compiègne, qui était champion de France l'année dernière à Pau en catégorie 11 junior. Toujours Jérôme Frenon du team Sun City numéro 3. Jérôme Frenon se qualifie avec Brunel Frédéric de la Petite Couronne, le numéro 2. Il s'agit de Turotte Cyril de Compiègne et David de Prater, le 31, qui nous vient de Boutigny. Voilà, on va monter d'un cran avec des 13 ans. Quart de finale 13 ans, série 195. Voilà, ils sont partis comme des fous, on va les retrouver dans un instant. Tous ceux qui veulent, oh là là, une chute, une double chute, ils vont repartir. Tous ceux qui désirent manger ce soir, on va demander là, de passer dans le parti. Tous ceux qui désirent manger ce soir, on va s'inscrire au restaurant. C'est parti pour Éric Hernandez. Le 32 en tête, le 32 c'est Frédéric Christophe, Éric Hernandez, le 18. Le 18, il s'agit de Donné Christophe de Mongeron. Donné Christophe, Éric Hernandez. Et toujours ce numéro que j'ai entreaperçu, le numéro 32, Frédel, Frédel Christophe, le Luc, Éric Hernandez, Frédel Christophe, Donné Christophe et Saint-Vitnik Olivier sont qualifiés pour la demi-finale. On peut applaudir le pilote qui passe maintenant la ligne, le numéro 45, pardon, Yann Gade Plormel. Il a le sourire quand même. Oui, alors qu'on vient de me dire que Yann Gret est le premier pilote qui est éliminé et qui a un sourire large, large, large grâce à ses amis bretons sans doute. Jean-Baptiste Schrance, numéro 22 Cruiser. Jean-Baptiste Schrance est demandé en pré-gris. Si vous connaissez Jean-Baptiste Schrance, le numéro 22, vous l'appelez en pré-gris. Le 12 et le 9, il s'agit donc de Kérandel William de Luzarche et de Boulay et Ludovic de Bonde. Il y a également David Bramou du team de Sun City qui est actuellement en 5e position. Ça va être dur, dur de revenir, toujours le 9. Le 9, non, ça a changé si le 12 et le 9. Pierre-André William, Ludovic Boulet, le 15, Bramou David et le 178, Talon-Antoine Carpentras. Fantastique, Bonne Carpentras, Luzarche et Saint-Georges qualifiés pour la demi-finale. Série 197, expert, 14 ans. C'est parti dans cette série 197, c'est parti comme un obus avec Fabien Noisette. Fabien Noisette, c'est le blondinet qui nous vient de hier. Oui, non, il n'est pas de hier, il est fille de hier. Voilà, Fabien Noisette de hier, il est en tête, il a le numéro 5. En deuxième position, le 24, qui passe en tête, c'est Pierre Doré, Rodrigue de Saint-Avé, toujours 1 et 2. Le troisième, c'est le 6. Plus que 7 pilotes en course. On en a plus que 4, il y en a un qui a pris les pédales. Le 6, c'était Jérôme Bidot des Clés. Alors que l'on s'entend le 7 et le 27, Cédric Boulot du team ce Groupama aura peu de chances de revenir. Toujours en tête, Fabien Loisette de hier. Qualifié Jérôme Bidot, le 24 et le 21, c'est-à-dire Clerte Michael et Cadoret Rodrigue, je pense, alors qu'elles disparaissent à ce stade de la compétition. Xavier Delporte. Une surprise tout de même, Xavier Delporte et Jérôme, Jérôme Bidot, j'ai passé, Xavier Delporte, je crois, qui ne passera pas le cap des quarts de finale. Série 198, 13 ans, expert.
Dernier quart de finale, présent, expert. Quelques surprises déjà au stade des quarts de finale. Les demi-finales vont vraiment être chaudes, chaudes, chaudes. Mais les pilotes sont toujours très corrects, je trouve. Ils courent très, très propre. Le freestyle, c'est terminé. Les départs, on part tous ensemble. C'est vraiment de super gars, ces pilotes, responsables d'eux-mêmes. C'est parti dans cette série avec un numéro 7 au plein piste, c'est Xavier Lejeune de Lotte-Marie. Xavier Lejeune, c'est un breton. Tous les bretons vont l'acclamer à son passage. Xavier Marie au top 10. En deuxième position, c'est Vincent Allier devant Télimar. Vincent Allier, tu reviens comme un bandit. En troisième position, le 142-4 et le 87. Huppé Stéphane. Le 87, il s'agit de Jean-Jean Michael. Ça va être chaud pour la quatrième place. Notre ami breton Lejeune et Xavier, Jean-Luc Marie, aucun problème pour l'instant. Pour notre ami Ali Vincent non plus, Xavier Lejeune, Ali Vincent sont qualifiés, le 144, Huppé Stéphane et le numéro 17 qui est revenu de très loin. C'est le 199 et là c'est le cruiseur. C'est le cruiseur avec les 14 ans, avec James Gandon de Lyon. James Gandon et également Denis Zamata, Christophe Lévesque, France Jean-Baptiste Salumel, Laurent Bigot, Jérôme Lemaire, Emmanuel Poussin. Emmanuel Poussin qui est actuellement en... Oulala. Oh, le chute d'Emmanuel Poussin. Oulala. Je ne sais plus. Jérôme Lemaire, Emmanuel Poussin, c'est terminé pour eux. C'est fini pour eux. Alors, qualifié James Gandon, là il peut ralentir, aucun problème. Qualifié James Gandon, le numéro 238. Qualifié le 88, l'évêque Christophe. Le numéro 3, Denis Casamata. Et le 22, Schrantz Jean-Baptiste. Une surprise, une double surprise avec l'élimination du numéro 18, Poussin Emmanuel. L'élimination également de Jérôme Levert. Total lui-même également n'est pas passé. Vraiment, je vous ai dit, c'est parti avec à la corde du numéro 7, Sébastien Serre. C'est le numéro 4, mais il a le 7 sur son casque. Sébastien Serre, il va être complètement extérieur. Toujours Sébastien Serre qui met dans le grand enfer, c'est sûr. En deuxième position, c'est Jean-René Garnier, le numéro 78. Jean-René Garnier qui prend la tête, Sébastien Serre, Yvan Rey et Potazek Olivier. Voilà les quatre pour l'instant qui sont en face de se qualifier. Yvan Rey, le quatrième maintenant, ça va être dur pour lui quand même. Toujours Jean-René Garnier qui est en tête. Jean-René Garnier qui se qualifie avec Sébastien Serre, le 131, le 2, rien n'a changé. Yvan Rey et Potazek Olivier de Saint-Leu. Voilà les quatre qualifiés pour une super demi-finale tout à l'heure. Mike Macau. Parti dans cette série, Denis Labigan, pleine piste. Denis Labigan qui passe en tête dans le premier virage. Il est suivi de Pascal Desbourgeois de Madrid. Denis Labigan, son pilote, Sean Chiffy, c'est un pilote de pleine virage. En deuxième position, maintenant c'est le 275. C'est Aurélien Yann des voisins, Desbourgeois Pascal et le 216, le 216 qui a pris la corde. Patrick Grand de Grenoble, il accroche une belle quatrième place pour l'instant. Le plus la division, je crois, a perdu toute chose dans la deuxième ligne droite. Toujours peut-être Denis Labigan. Non, Denis Labigan est tombé. Oh là là. Alors on va se calmer, on va parler des qualifiés. Il y a dans cette série les qualifiés. Aurélien Yann, Demurger Pascal. Dernier quart de finale, série 202, dernier quart de finale, 14-15 ans. C'est parti très fort avec un pilote 09 devant. Qui sait, c'est Laurent Rougemont, le champion de France en titre, le numéro 1. Jumeau 09, toujours en tête. Le 43, c'est Stéphane Gauthier de Tanlis. Le 240 et le 16, c'est-à-dire Chéruy Nicolas de Grenoble. Les Grenoblois dans cette catégorie, plus en 14-15 ans, peut-être de super pilote. Alain Boisson, le pilote Alain Boisson de l'Anester est qualifié également. Toujours Laurent Rougemont, le number one. Deuxième, Gauthier Stéphane, troisième. Alors on nous dit que Denis Labigan a éclaté du pneu avant. Et voilà pourquoi il n'est pas qualifié, il était en tête.
J'espère que par les aventures, on n'y arrivera plus. Je ne souhaite à personne. Denis Lavillard donc a éclaté de l'avant. J'espère que tout se passera bien. Il y a à la moitié Thierry Balfet, Philippe Offèvre, Philippe Risset, José Sabater, Manuel Prospero, Philippe Wimmer, Olivier Bernon. C'est Sabater en tête. Le numéro 109, c'est Manuel Prospero. Manuel Prospero, la chute dans l'air. Non, non, non. Tout le monde est reparti. C'est fantastique. Oh là là, la quatrième place va être très chaude. Prospero Manuel en tête. Prospero Manuel, il est acte. En deuxième position, j'ai vu le numéro. C'est Wimmer Philippe, le 14 et le 24, le 74. C'est Sabater José, le 24, Thierry Bachelet. Wimmer Philippe, deuxièmement, qualifié également pour la finale. Fantastique. Pardon, pour la demi-finale. C'est les demi-finales, bien sûr, le but de cette qualification en quart. Nous sommes qu'au stade des quarts de finale. Vous voyez déjà que c'était demi-finale. Tellement ils roulent fort. Et donc, c'est Thierry, c'est 17 ans. Thierry, c'est 25 ans. Avant le titre fort. Avec un numéro 18 pour les Bertrands. Non, c'est le 15. Vesperotti, Fabrice de Baume. Vesperotti qui devance le 3 et le 196. C'est-à-dire Stéphane Bott et Servus Henri. Stéphane Bott. Vice-champion de France en 87 à Mons en cruiseur, toujours le numéro 18, le 15, pardon, le 15 de Thérotti Fabrice, toujours le 3, Bot, Stéphane, qualifié, le 187 Servus Henri, et... Alors, monsieur Mukili, au secrétariat d'arrivée, monsieur Mukili, rapidement au secrétariat d'arrivée, nous sommes dans la série 207. C'est des 14 ans experts, ça roule en enfer. Et devant, je peux vous le dire, il doit s'agir de Christophe Lévesque, le numéro 2, champion de France junior l'année dernière. Cédric Pons de l'Arbrel en deuxième position, le 54 et le 9, le Gal Frédéric et la Panne Vincent. Le Gal Frédéric des amis, la Panne Vincent, il est de Cholet. Voilà les 4 qui se qualifieront sans doute pour la finale. Je m'en reconnais, mais il n'y a pas tellement de doute. Christophe Lévesque de Saint-Leu. Cédric Sanz, le 54, le Gal Frédéric, et le 40, Denis Chalancin de Cadillac, qui a dû faire un super intérieur dans le dernier virage. Série 208, expert 14 ans, quart de finale. Dans cette série, 8 pilotes. C'est parti, encore une fois, je le répète, tout ce que je peux dire au micro, ce n'est qu'officieux, il faudra vérifier les feuilles de reste. On ne trompe pas beaucoup, mais ça peut arriver, ça arrive à tout le monde, comme on dit souvent. Vincent Fontanet en deuxième position. Devant, on va retrouver Laurent Poulain, le pilote du Nouvion, avec les couleurs Sun Shippy. Laurent Poulain, Vincent Fontanet, le 13 et le 18, oh là là, que de petits numéros. Le 13, c'est Vivant Michael, le 18, Cuvier et Jérôme. Toujours, oula, Fontaine et Vincent en quatrième position maintenant, mais je crois que les quatre premiers ont fait une certaine différence. Oh là là, tout va changer, non, rien ne change. Toujours Laurent Poulain, Vivant Michael. Le Mondeur sur un vélo Volhauser. Je vous prie de le regarder quand il est hors du parc. Regardez ce vélo, c'est un vélo performant. Il y a également Jérôme Farassi de Pémirabeau. Cyril Curotte de Compiègne, Frédéric Duhaï, oui, demi-finale 12 ans. Ensuite, on passera au final. Il reste plus que les finales 20 pouces. Et c'est parti avec Fabien Ossin à l'intérieur. Et le numéro 13 à l'intérieur, il s'agit de Duhaï et Frédéric de Saint-Leu. Duhaï et Frédéric, mais déjà Fabien Ossin a mis le turbo. Fabien Ossin complètement à l'extérieur. Troisième actuellement, Fabien Ossin, Duhaï en tête. Le troisième actuellement, c'est le numéro 4. Le 2, c'est dingue, c'est extraordinaire. Le 2, le 4, le 13 et le 3, Fabien Mesquet, Curotte, Cyril, Noaco, Franck et Duhaï et Frédéric. Voilà les 4 pilotes qui volent vers la finale. Belle victoire de Fabien Mesquet. C'est parti dans cette deuxième demi-finale avec le numéro 1, le 9, le 34, le 18, le 26, le 2, le 112, le 15, le 719
Eh bien, Jérôme Frondon, le numéro 1, est en tête avec près de 3 mètres d'avance. Il est maintenant le turbo dans la deuxième ligne droite. Il devance le numéro 26, Nicolas Thomas. Thomas Nicolas. Cyril Ajoux est enfermé pour l'instant. Cyril Ajoux qui va faire à l'intérieur. Il va passer. C'est dingue. Extraordinaire demi-finale aux 12 ans. Jérôme Frondon seul et tout seul en tête. Jérôme Frondon qualifié pour la finale. Le 26. Nicolas Thomas le 18 et le 34. Le 18 c'est Martha Diostéphane et le 34 Vincent Mouillet. Somptueuse demi-finale, somptueuse, véritablement somptueuse. Les chutes étant certainement et très souvent dues à la nervosité des pilotes qui sont à la limite de leurs possibilités. Ils sont à 120%, c'est incroyable. Demi-finale, expert, 13 ans. En piste, Sébastien De Petri, Stéphane Huppé, Olivier Savitnik, Edo, Nicolas Pronot, Michel. Un petit mot pour Jacques Coquard, Jacques Coquard, je vais éliminer la demi-finale. Allez tous sur la télé, sur la télé.